facile. Ouais, ouais. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans l'émission Crew Corner, la nouvelle émission créée par Adidas et Foot Corner. Tout au long de l'émission, les deux crews vont devoir s'affronter pour faire gagner des cadeaux à leur communauté. Donc, vous allez devoir être évalués sur différents points et connaître vos classiques, l'actualité et surtout vous connaître entre vous. On va savoir si vous êtes vraiment des frérots. Si vous êtes des teutrais ou si... On va voir si vous vous connaissez réellement. Et est-ce qu'il est avec nous en sous-marin? Voilà. Elle, il est avec nous. Lui, il a envie de venir ici. Mais il ne veut pas le dire. Les quatre, en vrai. Okay. Présentation du crew 1, Masterclass de chez Masterclass, Fares, Salvatore. Merci. Kulen Vogang, Shalamar, Ursel on Fire. Merci. George Benson. Merci. Merci à toi. Donc voilà, merci. La vibe de la funk. Merci. Moussif, tu peux nous faire une petite démo de funk 6-9 Vas-y. Vas-y, vas-y, faites le beatbox. Vas-y. Oh, vas-y. Voilà, c'était ça. Voilà, très bien, parfait. Rien, merci, on applaudit très très fort. Merci, les gars. Merci. Merci. Fares Salvatore, comment ça va? Ça va très bien, merci. Tout va bien? Ça va et toi? Super, bien. Merci. Ça va super, merci. Merci. Beaucoup. Juste à côté, l'homme fort, Boussif, Clermont, si Ferrand. Personne ne me connaît ici. Tu aurais pu être un grand, grand joueur de foot. Hein. Bon, là, c'est pas mais qui est un grand joueur de foot? C'est pas fini. Mais c'est vrai, qui est un grand joueur de foot quand même? Mais je veux dire, t'aurais pu jouer au Real, t'aurais pu jouer au Bayern. Ouais, j'aurais pu jouer. T'aurais pu jouer à Manchester. Les écrans, ils vont dire non. Voilà, t'aurais pu être. Non, ils seraient pas là, mais voilà, j'aurais pu jouer. Voilà. Très souple, Bruce Lee du ghetto. Voilà. Il a une souplesse aussi, incroyable. On va leur montrer, voilà, les gars. Voilà, montre-moi. Montre-moi c'est. Voilà. 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 Oh, voilà. 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 On applaudit très, très fort. Merci, applaudissez-moi. Voilà. Voilà, on aurait pu. Dans tous les sports, quand même. Eh, on est où, là, en fait? Non, non, non. Jeu, il est grand. C'est pas bien ce que vous avez fait. Ouais, c'est pas bien. Vous avez ramené dans un truc pour rien. Chef. Donc Boussif, chef du crew, voilà, Psertech. Tu peux toucher tes biceps. Voilà, voilà. Que capitaine. C'est lui le chef. D'être chef de crew, là, aujourd'hui, c'est toi le capitaine. Donc voilà, ah, juste à tes côtés, un des meilleurs rappeurs de sa génération, ISK 77. La Yacht. Donc voilà. T'en meurs. Moi, je t'ai connu à travers tes freestyles acharnés, très très lourds. Donc voilà, et là, t'es monté en puissance de chez puissance. Donc voilà, Psertech. Psertech, mon frère. Voilà. Et beaucoup de disques d'or, de disques de platine, de tout ce qu'il faut, Inch'Allah. On est ensemble, merci. Et on peut dire Inch'Allah dans cette émission. Inch'Allah. On va voir si il sera en montage. Voilà. Juste à mes côtés, un des plus grands rappeurs de l'histoire du rap français, Monsieur Kaaris, Dozo, incroyable, fierté. Merci beaucoup, on peut applaudir très très fort, s'il vous plaît. Ça voulait pas applaudir. T'as vu, ça voulait pas applaudir. Attends, tu voulais pas applaudir. Hey, ISK, tu voulais pas applaudir. Quand t'as dit ça, ISK, il s'est retourné. Hein. Ça a hésité. Hein. À chaque fois, il rajoutait des compliments. Non, mais. Non, mais. Pourquoi ils nous ont pas applaudi, nous, quand voilà, mais. Là, on regarde deux Bercy, le 17 et le 29 février 2024. Incroyable. Incroyable. Très, très fort. Vraiment, le dozo a frappé fort, 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 fort. On est ensemble. Juste à côté, incroyable, Kalash Criminel, un des meilleurs rappeurs aussi. Merci beaucoup. Boza Malamou, Masolo, Isabien, Pepele, Kitoko, mangeur de Pundu Madesu à des heures convenables. Il est là, l'homme fort, Kalash Criminel. Comment vas-tu, mon frère? Ça va super bien. Ça va? L'homme qui a la rime tranchante à chaque rime. Mangeur de Chico, il y a toutes les heures. Chaque rime, il y a un message. Kalash, vraiment, c'est très, très fort. On applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bendo, Bendo Z, l'homme fort, l'homme mignon. Voilà. Le teint, on dirait 19h. Vraiment, l'homme est là, l'homme fort. Merci, Bendo Z, d'être là aussi. Pépite aussi. Incroyable. Comment vas-tu? Ça va? Tout va bien? La survie, frérot. La survie, toujours? Toujours, toujours. Non, non, tu vis, tu vis. Hein? Avant, c'était la survie. Maintenant, tu vis quand même. Tu très vis fort un peu quand même. Football. Ouais, on ouais, est fort, très fort. Aussi, Bendo. J'ai vu une action, j'ai vu une action incroyable de Bendo. Vraiment, ouais, du sombrero. Un espèce, ouais, ouais, un espèce de sombrero. J'étais là ce jour-là. Vraiment, brésilien. Les mecs, c'est très, très fort. Très, très fort. Bien vu, les gars, bien vu. On peut l'applaudir, les gars. Bravo!
Et donc, pour le crew numéro 2, donc, le chef d'équipe du crew, c'est Kalash Criminel. Voilà. Donc, avant de passer à la première manche, vous allez décider du nom de chaque crew. Donc, le crew numéro 1, vous allez choisir le nom du crew numéro 2. Et le crew numéro 2, bien évidemment, va choisir le nom du crew numéro 1. Donc... Ok, bah moi, on est voilà. Comme ça. Ça concertez-vous, est-ce que vous pouvez vous concerter? Début, on avait dit les chutes, attends, concertez-vous. Concertation d'équipe, ouais. Les gars. Là, on tourne. Vas-y, on tourne. Nous voilà, concertez-vous. C'est bon. Attendez la bouche là. Je danse, là. Comment on fout, les gars? Comment on fout? Ça va faire. Vas-y. Non, on a choisi. C'est bon, notre capitaine d'équipe. Alors, va vous dire. Boussif. C'est quoi, déjà? NLF. Ah. NLF. NLF. Ouais. Les okay. NLF. Et ça veut dire quoi? Bah, en fait, leur parcours, ils nous inspirent vraiment ce qu'on a vu dans le football américain en Amérique. NLF. Ouais, voilà, donc c'est pour ça. D'accord, que... on va laisser la communauté nous dire ce que ça veut dire. Vas-y. Donc voilà, NLF. Ah. D'accord. Le crew numéro 2, vous avez choisi quoi comme nom? FBI. Pourquoi? Pour aux initiales. Parce qu'on est flics. Voilà. Parce qu'on est flics, mon con. Voilà. Je voulais pas le dire, on est voilà. Vous êtes des infiltrés. Voilà, on est flics. J'ai bien envie qu'ils leur montrent qu'ils étaient flics. Hein, d'accord, voilà, nous avons les noms des deux crews. FBI, NLF. NLF, FBI. Merci beaucoup. Donc, on vous explique la mécanique du jeu. Les deux crews vont s'affronter sur les deux premières manches. L'objectif, c'est de remporter un maximum de cas. C'est pas des points, c'est des cas, c'est du bif. Donc, voilà. Au cours des deux manches, deux bonus vont aussi vous permettre de remporter des cas. Un seul crew accédera à la finale, c'est-à-dire la troisième manche. Est-ce que c'est clair pour vous, les frérots? Ouais, c'est clair. Très bien. C'est clair? Très bien. Super. Merci. C'est super cool. Ok, très bien. Nous allons passer à la manche 1, s'il vous plaît. Règle de la manche 1, on va vous poser des questions. Et bien évidemment, ce qu'on a fait, on a récolté les 5 meilleures réponses citées auprès de la communauté. Donc, bien évidemment, des réponses à 10K, 8K, 6K, 4K et 2K. Le premier crew a buzzé et a donné une bonne réponse, prend la main. Est-ce que ça vous va? D'accord. Si le crew se trompe 3 fois, je dis bien 3 fois, la main est donnée au crew adverse. Le crew adverse n'a qu'une chance pour trouver la bonne réponse. S'il la trouve, il remporte tous les cas. Sinon, c'est l'autre crew qui les récupère. Première question. Quel a été le plus improbable featuring de l'histoire du rap français? J'ai buzzé, moi. Oh, j'ai buzzé avant. Ouais, il a buzzé. T'as buzzé? Il a buzzé avant, il a buzzé avant. T'as buzzé avant, Kalash? Passy, Calogero. C'est une mauvaise réponse. Bilal Hassani et Al Capote. Très bonne réponse. Ah, très bonne réponse, le crew numéro 2. Là, vous venez de trouver la meilleure réponse. Là, c'est la réponse à 10K. Vous avez trouvé la meilleure réponse. C'est ce que le public, ils ont donné. Le ouais, public, ils ne connaissent pas ça, frère. Ouais, c'est vrai. Improbable. Maître Gims, Carla Bruni. J'avais carrément oublié ce featuring. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, il faut donner les réponses que le public connaît. Le public ne connaît même pas ça, en fait. Pas du tout. Ouais. Attention, attention, si vous vous trompez 3 fois, vas-y. Non, mais après, j'ai oublié le nom du deuxième. Ah! T'as dit qu'elle est à perdre. Non. Ça va faire. Pour l'instant, on est gagné. Non, vas-y, Karis. Non, laisse tomber. Non, s'il vous plaît, Karis. Jamais je vais dire ça. Karis. Non, mais vas-y, Karis. Voilà, je vais jamais dire ça, frère. Mais dis-le, frère. Je vais jamais dire ça, laisse tomber, je vais jamais dire ça, c'est pas bien. Non, mais non, t'inquiète pas, on est entre nous. Tranquille, moi. Non, vas-y. On est entre nous, vas-y. Il y a personne, les gars. Dis-nous, on est entre nous. Dis-nous, on va pas le dire. Non, mais t'inquiète pas, on va pas le dire, on cherche un truc. Non. Dis-moi, ils vont jamais le dire, frère, dis pas ça. Vas-y, on sait jamais, vas-y. Laisse tout le monde, on a pas d'idée. Non, mais vas-y. Dis pas ça, dis pas ça. Laisse tout le monde, on a pas d'idée. Mais non, mais là, passe à l'autre équipe. Attends, on va quand même tenter un dernier. Vas-y. 22, il a dit Mr. Vickershack. Mr. Vickershack. Non. Désolé. Ouais, mauvaise réponse, Ben Dojo. On a déjà la meilleure réponse. Juste. Bon, là, il est là. On en a 3, on en a qu'une seule. Ouais, salaud, ils vont te poser là. Moi, j'en ai un Caris et Cappuccino. Il est pas dedans. Voilà. Il y avait Pascal Obispo, ouais, Renoir. Ils ont pas fait de feed. Bien sûr, ils ont fait un feed. C'est l'IA. Ils ont fait un feed, ils ont même le disque d'or. Mais non, ça n'a rien à voir. Ah ouais, ça n'a rien à voir, ouais. C'est un robot. De quoi? Il a juste fait le piano sur le Zénith, c'est tout. C'est pas un feed. Il y avait ROH2F, Benzema.
Ouais, t'es pas du 6-9, toi. T'es du 6-9, t'es même pas au courant. Je suis même pas ça. Ils ont chanté les jeux. Ils ont chanté Benzema. Ah, y'avait Jules Benjamin Mendy, non? Eh, frère. Y'avait Jules Benjamin Mendy, non? Non. Nekfeu, Vanessa Paradis. Ah, ben. Ben oui. Après, nous, on connaît pas Vanessa Paradis. Et après, c'est quoi la cinquième? Tu connais pas Vanessa Paradis? On a déjà entendu, mais personne. Tu connais pas Joe le taxi? Joe le taxi. Ah, c'est Joe. Voilà, Joe. Voilà. Joe Lopez, et le dernier, Doc Gineco, Bernard Tapie, pas à son âme. Le grand Bernard Tapie. Voilà. Putain. Eh oui, les frères. Eh oui, ben oui. Mais moi, j'en ai retrouvé deux, là. Ah. On passe à la deuxième question. On passe à la deuxième question tout de suite. Mon frère. Quel rappeur vous met la larme à l'œil? Ah, il a dit. 22, il a dit Gizmo. Exactement. Oh, très bonne réponse. 10K tout de suite. C'est vrai, ça? 10K. Non, 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 il y a un peu. T'es chaud. Malheureusement, mauvaise réponse. C'est un truc regretté. Ouais, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là, c'est, on se base sur les réponses de la communauté. Public, bah ouais. Ouais. L'arme à l'œil. C'est vague, hein. Il vous reste deux réponses. Osmo. Mauvaise réponse. Là, c'est à nous. C'est à nous. Il vous reste, une réponse. C'est à qui vous demandez? Là, il vous... on demande à la communauté. Là, je sais. Il vous reste une réponse. Moi, je sais. J'en ai une. Une dernière réponse. J'en ai une, les gars. Je suis sûr de mon coup. Faut penser à ceux qui fument des roulés en tailleur. Ah, attends. Quoi? PNL? Non! Très bonne réponse. PNL Sika. C'est parce que j'ai dit ça. Attends, on continue. T'as un goût, toi, tu leur donnes les réponses. Ouais. Mais vas-y, frère, je me suis fait avoir. J'allais dire Mokobé, mais c'est pas ça. Le cas, il a une danse du long. Là, on fait une erreur, c'est mort. Ouais. Est-ce qu'on a l'une? Sûr. Il est sûr, moi je pense pas, frère. Alors, vas-y, je vais lui dire, est-ce sur la lune? Est-ce sur la lune? Non, malheureusement, mauvaise réponse. Vas-y. On passe au coup numéro 1. Fares, Boussif, DSK. Attends. Vas-y, regarde, moi j'en ai un. Je suis chef, c'est sûr. Mais chef de groupe ou chef? Mais attends. Fares, s'il vous plaît. On respecte l'ail. Boussif, chef du crew. Wallah, t'es sûr? J'ai déjà dit Naz, non? Très bonne réponse. On a combien? 1K? C'est pas la génération de eux. Ouais. T'as capté, t'as compris. Voilà, les gars, j'ai dit Naz. Très bonne réponse. Question numéro 3. Quel est le meilleur footballeur de tous les temps? J'ai appuyé déjà. Ouais, t'as appuyé déjà. Lionel Messi. Quoi? C'est une très bonne réponse. Quoi? Calme-moi. Non, mais calme-moi. C'est une très bonne réponse. Non, mais attends, c'est qui la communauté? Non, mais il n'y a pas que Lionel Messi. Du calme. Calme-moi. Voilà. Attends, c'est mettre pour Messi? C'est une réponse à 8K. Ok. Lionel Messi. Là, il va donner toutes les bonnes réponses. D'un coup, wesh. Cristiano Ronaldo. Très bonne réponse. C'est une réponse à 10K. Il sera-tu le fort, ça, nous, voilà. Attends, on a droit à 3 chances, là, après. À 3 pertes. Ouais, c'est ça. Je mettrai Zidane. C'est une très bonne réponse. Réponse à 4K. Il est trop calé niveau foot. C'est tout. Calé, il reste une à 2K et une à 10K. Hein. Non, 10K, on l'a trouvé, c'est Ronaldo. Non, il en reste une à 6K et une à 2K. 6K, attends, je vais tenter après. Neymar. Non, toi aussi. Non, mais très bonne. Mauvaise réponse. Oh là, merci. La première. Ouais, c'est la de l'histoire. Ouais. Il y a Ben Arfa, il y a du Bourde. Maradona. Maradona, c'est une mauvaise réponse, malheureusement. Attends. C'est le choc. Il a dit lesquels, là, déjà, là? Donc, il y a eu Lionel Messi, 8K. Ouais. Il y a eu Cristiano Ronaldo, ouais. 10K. Et il y a eu Zidane, 4K. Il reste 6K. Deux réponses. Ronaldinho. Ronaldinho, et c'est une très bonne réponse, Kalash. Très bonne réponse à 2K. Là, il en reste une. Voilà, il en reste une.
Il reste la réponse à Sika. Je sais qui. Ben Dozet, toi qui es calé foot là. Bah, logiquement. Là, voilà. Vas-y, je veux dire. Ouais, moi je pense. Mais non, mais non, Pelé, faites-moi confiance. C'est une mauvaise réponse. Faites-moi confiance. L'équipe de Boussif, Fares. Ouais, avant de répondre, moi j'aurais dit Benzema. Quel est le meilleur footballeur de tous les temps? Ok. Moi j'aurais dit Benzema parce que c'est mon pote. Lui il aurait dit ça, mais on dit pas ça. Moi j'aurais dit l'autre Ronaldo le chauve. Le fan de Benzema, il est fan de Ronaldo le chauve. Non, sérieusement. Ok. Concertez-vous, okay. Concentrez-vous. Regardez, venez, on se concentrez-vous. Moi, personnellement, j'aurais dit Ronaldo avec la houppette, là. Concentrez-vous, faites le bon choix. On avait pensé à Pelé, Hamdoullah, ils l'ont dit. Ouais. En fait, c'était ou Pelé ou Ronaldo. Et en fait, en plus, il n'y a pas longtemps, vous avez vu, là, quand l'équipe de France, ils font un reportage, ils parlent de Pelé, soit il va à gauche, soit il va à droite. Attention, faut être subtil, hein, faut être subtil. Ah. Hein. Les frères, c'est Ronaldo. Ronaldo, il y a Cristiano Ronaldo, après, il y a Ronaldo. Vu qu'on est en France, j'aurais pu dire Platini. Mais c'est sur FIFA, il était trop vite, il était trop fort, c'est Ronaldo. Mais il était pas sur FIFA, ça arrêtait un peu. C'est une légende. Vas-y, Ronaldo avec la houppette. Ronaldo. Mauvaise réponse. Tain. Et c'est une très bonne réponse. Yeah yeah voilà. Ah, respectez Ronaldo c'est là. Très, très bonne réponse. Brésiliano. Pourquoi vous l'avez pas sorti les frérots? Hachem Ronaldo. Bravo. Ronaldo. Parce qu'il a dit Cristiano Ronaldo, je me suis dit attends, il va bravo, dire Ronaldo. Bravo. Bravo. Ah, merci. Bravo. On remporte tout là. Bravo. On a tout gagné. On est à combien? Déjà tenu. Paul Corner, on est à combien s'il te plaît? Ouais. On fait les calculs pour l'instant, mais non, calculez pas, c'est bon, on a trop d'argent. Ah, ils vont perdre, t'inquiète pas. Ils vont perdre. On peut vous faire un crédit avec intérêt. On vous prête des points, mais dans la prochaine manche, on reprend 50%. Ah, ils vont perdre beaucoup mieux, t'inquiète. Dites nos noms dans tous vos sons. Tous les je te crois, Kalash, je te crois, Kalash. Que le meilleur gagne, en tout cas. En là, vrai, par contre, là, par contre, ça devient, Paul Corner, ça devient très compliqué. Donc, il y a 48 pour l'équipe de Boussif et malheureusement 10. Deux pour les. Mais eux, ils font que des hold-up. Ils font que des hold-up. Mais rien n'est perdu. On va gagner. Rien n'est perdu. C'est où les questions bonus? Question numéro 4. Là, c'est une très bonne question. Quelle est la série la plus street? Top Boy, hein? J'appuie avant, les gars. Vas-y. Plus street en France ou aux États-Unis? Top Boy, non? Street. Parce que après, il y a plusieurs séries. Ouais, il y a plusieurs séries. Il y a The Wire. Les gens se connaissent. Il y a The Wire. Non, mais s'il vous plaît, réponse par réponse. On y va. Après, il y a le gars de Ronaldo de Marseille. Comment ça s'appelle? Mahrouk, celle-là, il tire sur tout le monde. Ah, il y a sa série avec. C'est pas une série. C'est un film. C'est pas une série, c'est un film. Donc, tu parles du parquet. Top Boy. Top Boy, Top Boy, Top Boy, et c'est une très bonne réponse. Yes, mais réponse à 10K. Ok, The Wire, The Wire. On continue. The Wire. Attends, non, mais non, attends, c'est moi le chef, on a. On continue. Snowfall. Et c'est une très bonne réponse. Ah, réponse ouais. À 6K. S'il te plaît, mais The Wire, c'est sur écoute. D'accord. The Wire, sur écoute. Non, moi j'aurais dit. The Wire. The Wire. Et c'est une très bonne réponse, voilà, c'est une réponse à 8K. Voilà. Ok, attends. Attends, Street, Street. Pablo, une série ou un film? Que série? Là, c'est que série, là. C'est que série. Power. Ah, Power. Je laisse Power. Je peux mettre un autre. Power, très mauvaise réponse. Mauvaise réponse, on passe. Attends, non, non, non. Il y a de la triche à nous, là. On a droit à 3 votes. C'est vrai. J'y ai parlé au début. Mon coach, tu me laisses parler. C'est vrai, calmez-vous. Mon coach, je suis venu de loin. Tu te rappelles quand je t'ai dit ça chiale partout? Caïd. Wallah, Caïd. Non, Caïd, en plus. Wallah, Caïd. C'est français. Mais impossible, ils ont mis ça. C'est pour moi? Et c'est une très bonne réponse. Ah, c'était top Netflix. Elle a une reste. En fait, toi, en gros, faut que t'aies la nouvelle génération. Caïd, tu savais, Wallah, il s'achète un petit bâton. Ok, la dernière, c'est quoi, frère, la dernière? La dernière, moi, j'aurais. Là, il vous reste une dernière réponse. Ouais, attends, mais quoi? Une dernière, mais Zarma, si on la trouve pas, ça va la trouver. Ah. Attends, un truc street, frère, la dernière. Validé, peut-être, non? Je sais pas, Alice au pays des merveilles. Ah, vous avez deux chances de trouver la bonne réponse. Mais la série, c'est sur n'importe quelle plateforme. Non, en gros, c'est une série street. En gros, tu vas voir quelqu'un. N'importe quelle plateforme. Dis-moi une série street. Ah, les gens, ils ont dû dire validé, je pense. Hein. Ouais. Mais arrête! C'est une mauvaise réponse, ça. Mais ils vont pas très, dire très mauvaise réponse. Bah ouais, très mauvaise réponse. Bah nous, non. On dit validé. Il y a Top Boy, The Wire. Là, il leur reste encore. Là, il leur reste encore. Il vous reste une chance, hein. Attends, attends, attends. Il vous reste une chance, attends, attends, venez, on se concerte, attends. Tu sais que ça doit être un long truc, là. Ce que j'ai vu quand c'est tombé, là, à la fin. Ça doit être une série américaine. Attends, attends, vas-y, quoi? Blacklist, moi. Non, c'est pas ça. Rien à voir, rien à voir. Mahloug, rien à voir. Où il y a Los Pollos Hermanos, là. Qui? Voilà, j'ai oublié le nom, Breaking Bad. Breaking Bad, mais malheureusement, c'est une très mauvaise réponse. Je sais pas, je suis le chef. Voilà, trop deux, vous récupérez la main. Alors ils ont c'est Trump, sinon on a les points. Street et tout. Une série street. Moi, j'aurais dit Narcos. Narcos, mauvaise réponse. Yes, on a gagné. Ouh.
Maintenant, il reste, faut qu'il trouve la dernière. Bordel, hein. Le crew numéro 1 vient de... Mettez-le là-bas, il saute pas. Vous êtes à 76. Il n'y a pas un bonus, t'as dit tout à l'heure. Contre 10. 76 contre... Mais rien n'est... En vrai, il n'y a pas de mauvaise réponse dans le jeu. Non, mais rien n'est perdu, hein. Rien n'est perdu, les gars. On peut savoir, c'est quoi la dernière? C'est quoi la dernière? La dernière, c'était Snabakash. Je connais pas, frère. Bon, là, c'est le Renoir Oscar. Là, je connais Snabakash. C'était pas assez. Snappé, carrément. Donc, on va choisir... Le meilleur jongleur des deux côtés, parce qu'en fait, ça va être un concours de jongle sur 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Tout possible. Possible. Boussif Bendoz. Non, Kalash, voilà, il est 30 secondes. Ouais, mais Bendoz, il va y aller. On y va. Crew numéro 2. Karis, tu te sens chaud? Ouais, vas-y. Kalash, tu te sens chaud pour les jongles? Moi, je voulais y aller, mais je vais laisser Bendo. Tu vas aller? Ouais, voilà. T'as vu, il est fair play. Il est fair play. Bendo. Bendo fort. OK. Donc, Boussif, c'est à toi, tout de suite. On m'envoie le ballon, s'il vous plaît. Envoyez-moi le ballon, la team. Merci beaucoup. Ouh. Voilà. Bonne chance, Boussif. Voilà. Merci. On y va. Allez, Boussif, on croit en toi. 1, 2, 3, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Continue. Ben, il va gagner, j'ai trois. Voilà. C'est bon, on peut en finir ou pas? Vas-y. On peut en finir ou pas? Il a dit, on peut en finir ou quoi? Allez, c'est Rachid qui a ce chrono en même temps que nous. Vas-y, Bendo Z. Vas-y. On y va. Frère. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, c'est pas fini, moi. C'est pas fini, c'est pas fini. Mais t'es pas fini. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, mais c'est pas possible. Brésilien. Et voilà, laisse tomber. Concours de jongle terminé, on est à combien? Paul Corner, 112 à 18. On passe à la manche numéro 2, s'il vous plaît. Donc cette épreuve, c'est une épreuve de rapidité, vraiment. Le plus rapide au buzzer, voilà. Rapide comme le chaos de Cédric Doumbé face à Jordan. Bisous à Jordan. Force à Jordan Zemo. Non, force à Jordan Zemo. Mais voilà, aussi rapide. Il commence beaucoup. C'est une galère. Aïe. Bon, tout de suite, vous allez devoir trouver les bonnes questions aux réponses. Si je vous dis bunker. Où s'habillent les stars de... Quoi? Où s'habillent les... Non, c'est pas ça. Non. Où se trouvent les locaux de Foot Corner? Non, le showroom de Foot Corner. Où s'habillent... Très bonne réponse. C'est bon, j'ai donné les points. Voilà. Paul McCartney. Ok, Paul Corner vient de me dire que l'équipe de Kalash Criminel, avec cette réponse, vient de gagner 25 points. Oh, bah, Corner. Donc voilà, très bien, merci. Paul, t'es bon, t'inquiète pas. On comptabilise 25 points, c'est une très bonne réponse. Paul, t'es avec moi, on rentre ensemble. Je suis désolé. Après, on m'a même pas laissé dire la question. Ah, mais Paul, je crois qu'il veut une dédicace dans les sons. Voilà, on y va. Tout de suite, le buzzer, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, il faut être rapide. Le ballon d'or du peuple. C'est quel est le... Comment Karim Benzema a appelé son ballon d'or? Exactement, très bonne réponse, Bendo Z. Ben oui. Eh ben oui. T'as vu, Bendo, ça fait son point, ça fait son point. C'est ça. Prochaine réponse. 25 grammes. Quel est... Parle du renté. Le titre. Quel est le premier extrait qu'a dévoilé Nino de son album? Rien à voir, wesh. Si, c'est ça. C'est pas ça. Non, c'est ça. Comment s'appelle l'un des derniers singles de Nino? Mais il a pas dit ça. Il a dit le premier. Il a pas dit ça. On s'est compris. On est généreux. Bande de malfrats, des gars qui 25 grammes, vous avez... Après, il y avait deux autres réponses.
Il y avait deux autres questions. Il y avait combien de grammes pèse la bague de Tupac Shakur achetée par Drake? Ouais. Il y avait combien pèse le gros doigt de pied de Caris? Donc voilà. Maintenant, on passe à la troisième réponse. Ouais. Directement, ils ont dit 25 grammes, il a dû rinter, t'as mis un shit. Ah mais... Soso Maness. Mais il a buzzé, il y avait aussi... Bah vas-y, t'as même pas terminé la question. Mais donne la réponse vas-y, alors. Vas-y, je t'écoute. Soso Maness. Vas-y. Donc, laisse-moi finir. Attends, laisse-le finir ma question. Réponse 3. Soso Maness, SCH, que crains. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Ouais, c'est à eux. Ouais. C'est ça. Me pose la question. Qui a fait... Non, c'est pas ça. Non, attends. Oui, c'est ça. Qui sont les rappeurs... GP... GP truc, là. Ah, faut donner le bon truc, là. Faut donner le bon truc. Ah, faut donner le bon truc, hein. Nous, on a la réponse. Qui est presque. Mais on t'écoute. On t'écoute. C'est ça. Qui sont des PGP... Qui sont les rappeurs qui ont participé au grand... Au grand GP. S'il vous plaît, comment ça s'appelle? C'est ça. Ouais, c'est bon. Paul Corner, j'ai le bureau de surveillance, effectivement, c'est une très bonne réponse. Voilà, on passe à la réponse 4. Bramfou. Ah, là qu'on a entendu que c'était nous. Vas-y. J'ai entendu. Je me disais, Qui est le... Attends. Elle fait pas le mytho, toi. ISK, je te sens chaud, là. Tu l'as là. Donc tu l'as ou c'est impossible que tu l'aies. C'est impossible qu'il l'ait. Ah ouais. On t'écoute, on sait jamais. Il peut nous surprendre. C'est impossible qu'il l'ait. Vas-y, on te regarde. Comment s'appelle le frère de Caris? Il a donné une fausse réponse. Allez, c'est bon, c'est à nous. Crew numéro 2. Quel est le premier nom de Gazo? Ah mais voilà, c'est ça. Je suis un artiste. Le premier nom de rappeur, le premier nom d'artiste. Exactement. La remontada, ils sont en train de vous remonter. Là, tout de suite, là, quand tu le dis, c'est ça, mais je pensais pas à ça, moi. Je savais que je l'avais déjà entendu. D'accord. On y va pour la réponse 5. Bah reste mon gars. Vous êtes prêts? Ouais. Vous êtes prêts? Va falloir être rapide, vous êtes prêts? Ouais. Ok. En Côte d'Ivoire. Ok, je sais, moi je vais donner. Il a même pas fini la question. Où se déroule la prochaine CAN? Très bonne réponse. Bravo. Voilà, il gagne. Bravo. C'est bon, d'accord, on a 25 points aussi là. J'ai même pas eu trop de temps. T'as même pas eu le temps. Mais ils ont buzzé. On a plus 25 aussi. Plus 25. Voilà, plus 25 aussi. Très bien. Donc là, je m'adresse à vous, je m'adresse à la communauté, je vous regarde, je vous donne la réponse et vous nous donnez la question en commentaire. Donc voilà. SVR. C'est à eux de répondre. Allez, on attend leur réponse. Là, vous m'avez bien entendu, SVR. Donc voilà, donnez-nous votre réponse en commentaire. Et on sélectionnera le commentaire et voilà, vous allez gagner plein de cadeaux, vous inquiétez pas. Bonus, crew numéro 1, crew numéro 2, vous avez 30 secondes pour répondre à 5 expressions en emoji. Bien évidemment, vous pouvez passer, si jamais vous buguez sur la première ou la deuxième ou la troisième, vous pouvez revenir juste après, mais pour l'instant, c'est le crew numéro 1. On va vous afficher ça sur l'écran, vous avez 30 secondes pour répondre à 5 expressions en emoji. Donc on y va, 3, 2, 1... Zéro. Je sais pas, passe, force, passe. Force et honneur, force. Passe. Menteur. Disquette, je te place une disquette. Je te place une très bonne réponse. Ok. Ensuite. Je suis mort de rire. Vas-y, ensuite. Je rire demain. T'as pris le melon. Très bonne réponse. Trois réponses sur cinq. Ça va, ouais. Crew numéro 2. Donc voilà.
Vous avez compris un peu le concept, les frérots? Ouais, fort, fort, fort. Ouais. Ouais. Charis, on est prêts? Après nous, normal. Karash, on est prêts? Vas-y, on y va, let's go. Bendo, on est prêts? Ok, très bien. On y va. 3, 2, 1, 0. Ghost, ghosté. Très bonne réponse. Super facile. Ah, trop facile. Gueule de bois. Très bonne réponse. Ah, c'est trop facile, regardez ce qu'ils ont. Wow, j'ai pas le temps. C'est une dingue. Très bonne réponse. Mais ouais, c'est trop facile. Oh non, c'est pas assez carré. C'est carré. Très bonne réponse. Oh, c'est... Non, mais Archum. T'es une bombe. Très bonne réponse. Bah, ouais, Ça continue, mon frère. Continue, frère. Il manque un truc là. Il manque un truc là. Ah, c'est fini. Il manque un truc là. T'as fait 10 secondes en plus. Mais même chaud, les frères. On a fait une chose. Mais non, mais non, mais non. T'es jamais vu. Ah, même le public. Ah, même le public, ils vont pas accepter ça. On peut applaudir. On peut applaudir. Ouh, applaudissez, frère. Donc, le crew numéro 1 a gagné. On passe à la manche 3, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le chef du crew. Bonjour. Boussif, bonjour. Ça va? Tout va bien? Super, merci. Le chef du crew va devoir s'isoler. Voilà. Attends, mais attends. Le chef du crew va devoir s'isoler. Un casque, on va te mettre du son. Et les deux autres membres vont devoir répondre à des questions te concernant, des questions personnelles. Donc on va savoir si heureusement, ils te connaissent bien, s'ils t'aiment bien, si c'est la famille, si c'est après, des secrets. Après, écouter les questions de Oui, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Qui a posé ces questions sur moi, déjà? T'inquiète pas, tu vas en savoir plus après. Vas-y, tu peux aller t'isoler, s'il te plaît. Donc, manche numéro 3, Boussif est parti s'isoler dans son coin. Donc là, pour l'instant, on reste avec Fares et avec ISK. On va vous poser des questions. Le concernant, chaque question a un gain, mais on en parlera tout à l'heure. Oh là, j'en peux plus. S'il pouvait rencontrer une célébrité, morte ou vivante? Je pense Ben Arfa. Ben Arfa? Ouais. D'accord, très bien. Tu dis quoi, Yaska? Ah, Yaska, il dit rien? Ah, c'est une réponse de tous les deux. Non, on est ensemble tous les deux. Non, mais après, là, après, c'est lui. S'il n'avait pas été créateur de contenu, qu'aurait-il fait? Footballeur. Exactement. Yaska? Footballeur. Yaska? Footballeur. Yaska? Très bien. Il est déjà footballeur, oui. Très bien. Il est déjà footballeur, en fait. Ouais, non, il n'est pas footballeur. Frère, il a joué récemment. Mais monsieur Kalash criminel, nous sommes en finale et pas vous. Ben ouais, il est déjà footballeur. Mais t'es sûr de ta... Ouais, c'est bon, on est sûr. D'accord, très bien. Citez-moi un pays de rêve où il aimerait aller avec vous. J'aurais dit la Mecque. Et après, je me dis peut-être qu'il va dire l'Algérie. Attention là. Là, c'est une très bonne réponse. Qu'est-ce que tu... Moi, j'aurais dit la Mecque. Et après, il y a moyen qu'ils disent l'Algérie. Mais qu'est-ce que toi, t'en penses? Vas-y, c'est ISK qui choisit. Tu peux dire l'Arabie Saoudite, ouais? Ouais, la Mecque, l'Arabie. Vas-y, c'est bon. Arabie Saoudite? Ouais, vas-y, c'est bon, on part sur ça. Ok, très bien. Quelle est sa série préférée? Série préférée? On va savoir si vous le connaissez bien. Quelle est sa pièce? Vaillant. Non, c'est pas sa série préférée. Quelle non, est sa série non, préférée? Non, pourquoi non, sa série non, préférée? Sa série préférée, c'est... Je sais pas, ça... Je sais pas, un truc comme Blacklist, Top Boy. Ouais, Blacklist. Blacklist, putain, il parle. Non, mais réfléchissez bien. Ouais, Blacklist. Vas-y, on va dire Blacklist. Ouais, on va dire Blacklist. Très bien. Et la dernière question, s'il faisait Secret Story, quel serait son secret? Yaska. Son secret, ce serait quoi? Salvatore. En fait, même lui, connais, je sais pas. Toi qui le connais bien. Non, mais justement, je le connais bien, même lui, je sais pas. Je pense qu'il dirait qu'il n'a pas de secret, c'est qu'il n'a pas de secret. Attends. Ah, c'est quoi son secret, je te jure. Il va dire, mon secret? Pas moi. Ça va être ça, sa réponse. J'ai le droit ou pas? Oui. Vas-y, ok, c'est bon. Mais il va peut-être dire un secret, mais le début de la réponse, ça va dire quoi, mon non, secret? Mais t'as pas une idée, t'as pas une idée à peu près? Une idée à peu près de son secret? Il y a grave moyen, il va dire, j'ai pas de secret. Il va dire, j'ai pas de secret. Il va dire, j'ai pas de secret. Ou il va dire, je sais pas. Donc son secret, c'est qu'il a pas de secret. Ok. Très bien. J'en ai pas, en gros. Ok. On rappelle Boussif. Donc oui, il doit répondre aux questions, il faut qu'il donne les mêmes. Ouais, on rappelle Boussif qui a passé un super bon moment isolé. Vite fait le moment. Ça va? Ils ont mal parlé, hein. Voilà. Très bien. Boussif, ça va? Ça va et toi? Ils ont mal parlé. Ils ont mal parlé. Ah, ils ont mal parlé de ouf. Ils ont mal parlé de ouf. Ah, ils ont dit des dingueries. On a dit que du rire. Ils ont dit des dingueries de ouf. Tu sais très bien, entre nous, il n'y a pas de secret. Donc. Pas de mystère. Je vais te poser. Donc, Boussif, ce que je vais faire, je vais te poser les questions.
vais te poser les questions que je leur ai posées. Chaque question. Et ils vont lui chuchoter les réponses. À chaque question. Non, ils vont pas. On va regarder. Pas comme ça. À chaque question. À chaque question. Entre nous, il y a pas de secret, frérot. À chaque question avec la bonne réponse, il y a un gain pour la communauté. Ouais. Vous allez pouvoir faire gagner beaucoup de choses à votre communauté. C'est des questions sur moi ? Ouais, des questions sur ça. Genre. À ta place. Si Boussif faisait du 49, qu'est-ce qu'il ferait avec ses pieds, par exemple ? Voilà, exactement. Exactement. Donc voilà, tu dois trouver leur réponse. Allez. Voilà. On y va. Si tu pouvais rencontrer une célébrité morte ou vivante, t'aimerais rencontrer qui ? Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Morte ou vivante ? Ouais, non, mais regarde-le. Ouais. Moi ? Ouais. Non. Agic, pense bien. C'est au niveau du sport ou... Ouais, allez, vas-y. Ah, moi, là, vraiment, Ben Arfa. Ouah oh, là, il m'a rien dit du tout. Vous avez regardé, il a touché ou pas? Je sais. J'hésite entre Ben Arfa et François Lambrouille, mais voilà. Vas-y. Voilà. C'est une très bonne réponse. Et qu'est-ce qu'on a comme lot à gagner pour la communauté pour cette réponse? Pour cette réponse-là, maillot dédicacé. Ah, tu me connais bien. Deuxième question. Si tu n'avais pas été un créateur de contenu, qu'est-ce que t'aurais fait? Footballeur. C'est quoi le cadeau pour celui-ci, s'il vous plaît, pour la communauté? Ensemble de survêtements. Ensemble de survêtements. Pour vous, la communauté. Très lourd. À gogo, ensemble de survêtements. Très bien. Troisième question. Cite-moi un pays où tu rêves d'aller avec tes frérots. Ah, je pense bien. Pense bien, pense très bien. Pense bien. Pense bien. Moi, c'est à la Mecque. Voilà. Voilà, on n'a pas triché. Voilà, je vous ai dit, c'est trop cramé. Et lui, voilà qu'on n'a pas triché. Je regarde dans les yeux. T'as vu, vous deux, vous parlez avec les yeux. C'est-à-dire, lui, il parle avec les yeux, il trouve une théma dans les yeux. Non, c'est pas bien. Voilà, c'est ce que tu fais, frère. Il est en train de vous faire ça. Bon, là, ils m'ont mis du Mylène Farmer à 200, j'ai rien entendu. Ah, ils t'ont vraiment mis du Mylène Farmer? Je crois, Ok, très bien. Mais comment il parle avec les yeux? Dis-lui, il s'en va tout de suite. Juste pour la dernière question, s'il te plaît. Vas-y. Retourne-toi, s'il te plaît. Tu vas voir, il va pas trouver. On aura dû dire. Mais grand frère, ça va être la question dure, là. On aura dû faire ça depuis le début. Mettez-le, c'est la question dure. Je t'ai dit, lui, là. Non, quelle est ta série préférée? Ma série préférée? Ouais. Là, j'en ai pas. Voilà, c'est vrai. Là, non. Tu devrais en choisir. Bah, bizarrement, t'arrives plus à trouver. C'est vrai. J'ai dit triche, frère. Ben, ouais. Archam, la série préférée, mais voilà, j'ai. Bah, il y en a même pas. Non, mais. Ah, bon, on faisait des vidéos en 2019. D'accord, ensemble, mais quelle est... Oui, mais d'accord, mais quelle est ta série préférée? Ah, je vais dire une où j'ai tourné, Vaillant, non? Mais non, t'as vu, ça rigole, lui, on a tourné ensemble dans la série, il aurait pu dire notre série. Ouais, il a dit sa série préférée. Mais j'ai dit Blacklist alors, c'était pour le jeu, c'est pour faire. Non, mais toi aussi, il fallait faire de la promo. Il a pas de série préférée. Attends, voilà. J'ai pas de série. Donc, c'est SK qui avait raison. Donc, dernière question. Si tu faisais Secret Story, quel serait ton secret? Réfléchis bien, parce que là, c'est un vrai lot. Ouais. Là, c'est un vrai lot. Non, mais commence pas à faire arrêter. T'es un vrai acteur, toi. C'est incroyable. Ouais. On m'a dit de faire ça. Ouais, bien sûr. Franchement, j'ai pas de secret, moi. Pourquoi je pense qu'ils ont dit j'ai pas de secret, non? Incroyable! Oh, incroyable! Vous avez vu, j'étais retourné? Vous me parlez de tricherie? Hein? Y'a aucune tricherie! Ici, il y a des vrais frères. C'est une très bonne réponse. Merci beaucoup. Deux places pour un match frais compris, hôtel. Peine sa mère. Hôtel. On est janvier, l'hôtel. Hôtel, avion. Qui nous ont pris un hôtel au premier. Tout compris. Pour deux personnes. Deux places. Deux. C'est pour quel match? Deux places, tout compris. On peut les accompagner? Pour un match de ouf, on va réfléchir. On va voir ça avec Paul Corner, en tout cas, hôtel. En tout cas, hôtel, tout. Non, attends. Voilà. C'est pour la communauté, donc voilà, c'est dans les commentaires que ça se passe. Incroyable, non? Voilà. Ok, d'accord. Franchement, la commu, vous êtes bien. Voilà. Pas mal. Ils ont pas le droit d'accompagner la commu? On peut les accompagner, nous, avec plaisir, de toute façon. Non, mais après la commu, vous les accompagnez, vous avez du bif, hein? Depuis la série Vaillant, là, ça va, non? Ah, c'est ça. Pas été payé, hein. Vous avez pas été payé. Hamburger, c'est bon. Avec mes sous. D'accord. On va vous remercier, crew numéro 1, on peut les applaudir, on peut applaudir le crew numéro 1.
ISK, merci beaucoup. Une actualité, bientôt, un truc. Ouais, il y a un album là qui sort là le 27. Le 27 ça va. Merci. Merci. Boussif, des projets? Non, là, on vit au jour le jour. Mais pas de... D'accord. Je non, ok, mais... on applaudit pour Boussif, s'il vous plaît, merci beaucoup. Fares, Salvatore, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, on a passé un super bon moment. Et c'est quoi l'actualité? Eh ben, écoute, en ce moment, moi, là, je suis en train de faire des vidéos YouTube. Je vais suivre des athlètes durant les JO 2024. D'accord. Je fais le avant, pendant, après. Ouais. J'ai pris un mec qui fait de la lutte, un mec qui fait du handisport. Et là, je suis en train de chercher une troisième personne. Je vais voir. D'accord. En tout cas, on te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Bonjour, Farès. Merci. Merci, les gars. Et là, je me dirige vers Caris. Caris, actualité de malade, 17 et 29 février 2024, de Bercy, plein à craquer. Ça remplit tellement vite, aussi vite qu'un chaos de Cédric Doumbé. Merci Jordan. Force à toi en tout cas, sincèrement. Donc voilà, merci Caris. Des nouvelles pour l'actualité? Merci, non, pour l'instant, il y a ça, c'est bien. Il y a ça peu, et puis on va préparer l'album. Exceptionnel. Okay. Merci Caris. Merci. Bientôt Abidjan. Merci. Bientôt Abidjan, obligé. Hein. Abidjan est très très doux. Très, très doux. Kalash criminel. Ouais, beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. L'actualité? Là, on commence une tournée, là, en novembre. Sauvage. Et on va faire le Zénith le 4 mai. Sauvage. Et il y a l'album qui arrive. Sauvage. On bosse sur tout ça. Sauvage. Ah, il y a ta marque aussi. Parle-nous-en, ta marque, là. Mais tu connais, ça marche bien. Ça coche. Sauvagerie. Sauvage. Ouais. Attendez, attends, montre bien le produit. Montre bien le produit. Regardez comment elle est belle, cette magnifique petite sacoche. Vous dites, oh, mais d'où vient cette magnifique petite sacoche? Une sacoche qui appartient à Kalash Criminel et c'est sa propre marque qui est vraiment incroyable. Bravo, bien vu. En tout cas, merci Kalash Criminel. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci. Au top. Bendo Z, l'actualité. L'actu, là, il y a l'album, il est sorti. Hein. D'accord, super, ça se passe bien. Sorti le 13. Ouais, ok. Là, tu connais, ça avance, continue à acheter du merch, des CD. D'accord. C'est ça qu'il faut. Donc voilà, ça joue. On rappelle que vous êtes vraiment magnifique, vous êtes BG. Crew numéro 1, crew numéro 2, vous êtes BG car tous les produits viennent de chez c'est Food Corner. Bon, non, c'est vous. Moi, je suis à l'ancienne, j'ai le Arsenal, Thierry Henry, Robert Pires. mais non, vous êtes bien, vous êtes frais, franchement. Applaudissez-vous en tout cas. Merci. À vous de m'applaudir. Merci. Merci à vous. Merci à toute la communauté Crew Corner. Donc voilà, première émission mortelle, magnifique. Que Dieu vous protège, que Dieu vous donne longue vie et beaucoup de succès à vous. On est ensemble, la famille. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.